dañu wax ni kaddu gu nek randu na fi bobu ak legui waye jenn ja cheikh ibra waxone mo fi nek te bis bu nek muy yessa tak cheikh ibra dafa wax ni yalla bu la rere nanka set ci sa ñak je manam jeuf jeul mbir mi liggey la lu su way liggey lu ne na nga bir lo ne lol do ngay fay Alors je les avais annoncé depuis le début de cette émission que je vais recevoir le coordinateur de U-Report. Voilà, j'ai la bonne prononciation. On me l'a soufflé hors studio. J'ai la bonne prononciation, c'est U-Report sans lui. Et ils sont là dans le studio de Nare FM. J'ai à ma droite Masaoka, c'est lui le coordinateur. À ma gauche, Madeigne Fall, c'est elle la charge de la communication de U-Report sans lui. Alors on va commencer par le commencement. Honneur aux dames. Alors, Madeigne, oui. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour. Bonjour. En forme ? Oui, ça va. Très en forme. Ouais, on peut dire. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire avant que je donne l'occasion au coordinateur de dire bonjour aux auditeurs d'Andar FM ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de U-Report ? Bon, d'abord, je salue tout le monde. Bon, bonjour aux auditeurs. D'abord, pour expliquer U-Report, c'est un programme de l'UNICEF qu'il a créé pour. En fait, dans son souci de promouvoir les jeunes, d'aider les jeunes, c'est un programme qui a pour but de mettre une plateforme par SMS gratuit où les jeunes pourront, comme ils n'ont pas toujours l'occasion de voir les dirigeants et tout, donner leur avis sur les problèmes qui sont dans la société et tout. D'accord. Donner leur avis et ainsi, en quelque sorte, participer au développement de leur pays. D'accord. Merci beaucoup, Madeleine Fall. C'est ma manière à moi de te dire bonjour. Mon copain, alors mon copain, le jour, je le disais tout à l'heure, dès le début de cette émission, en te présentant Masaoka aux auditeurs que tu n'es plus à présenter dans le monde médiatique sans lui. Je ne vais pas parler de NTIC, mais de TIC, de technologie de l'information et de la communication. Tu es très connu dans ce domaine. Alors, je te laisse dire bonjour à ces auditeurs actuellement qui écoutent la 101.1. Younoussa, bonjour à Banaï, nous chargés de communication. Aussi, bonjour aux auditeurs et je m'excuse donc du retard de 15 minutes, je ne sais pas, de vos fautes, je dirais quelques situations. C'est un immense plaisir d'être ici pour échanger avec la population de Saint-Louis sur notre programme de U-Report. Alors, elle a dit tout à l'heure que U-Report est une plateforme initiée par l'UNICEF dans le but d'utiliser les SMS pour permettre aux jeunes de leur permettre de réagir par rapport à des questions de société, des questions d'actualité. Qu'est-ce que tu peux dire pour compléter la réponse qu'a donnée tout à l'heure Madeleine Fall? U-Report, c'est un programme entre UNICEF et le ministère de la Jeunesse, donc notre ministère tutelle. Et comme ici, comme nous le savons tous, que tous les jeunes n'ont pas accès à nos autorités, n'ont pas accès à certaines, n'ont pas la possibilité de dire leur mot. Le ministère a trouvé que c'est un programme très intéressant pour pouvoir se baser sur ça, pour pouvoir développer sa politique. Aujourd'hui, avec U-Report, on a la possibilité de dire ce qu'on pense sur tel sujet. Par exemple, on peut devenir un citoyen, dire à ces mots, après, à partir de ces mots-là, qu'on va extraire, donc par rapport à une question bien définie, on va extraire et soumettre ça à nos gouvernants. Donc, à partir de cette base, l'État ou nos gouvernants locaux ou régionaux pourront baser sur ces données, pouvoir faire un travail sur ça. Donc, après, avec U-Report, s'il y a une question, vous pouvez, même les U-Reporters, ils pourront s'adhérer à notre plateforme, donc avec le 21 et 200, vous envoyez Sénégal 21 et 200. 21 et 200. Et après, par rapport à une question qui vous interpelle, vous pouvez faire votre plaidoirie. D'accord. Donc c'est une solution pour pouvoir donner la donc faciliter la communication entre le tutelle et la jeunesse. D'accord. Mais quelle est la spécificité le plus que U-Report offre aux jeunes, Madeleine? Avec U-Report, quand tu t'inscris sur le 21 et 200, comme l'a si bien dit Massao,
Après cela, tu reçois une question chaque semaine. D'accord. Une question, on pose une question. En fait, la question elle est commune à tous les Sénégalais, à tous les jeunes du Sénégal. D'accord. La question peut être une question d'actualité. Une question peut être une question de santé, sur la santé, sur l'éducation. Ça dépend de tous les domaines qui touchent les jeunes, en fait. D'accord. Ok. Là, tu as une question chaque semaine où tu réponds. Il y a les statistiques qu'on met sur le site web. Et là, les autorités pourront le voir là-bas. D'accord. Aussi, il y a autre chose. C'est qu'avec le 21-200 toujours, tu as un problème, tu as un plaidoirie à faire. Tu peux l'écrire, l'envoyer par SMS, c'est-à-dire au 21-200 gratuitement, sans te déplacer. Tu fais ton plaidoirie, tu l'envoies. Et ensuite, on mettra cette plaidoirie-là sur le site web. Et c'est sûr que les autorités verront cela. D'accord. Et que ton message est arrivé à l'autorité. Sans D'accord. pour autant que tu bouges ou que tu ailles faire le rang, comme le font toujours les gens, pour D'accord. voir l'autorité que tu ne verras jamais. D'accord. Donc, on peut dire, Massaou, qu'avec YouReport, la distance qui sépare la jeunesse des autorités est carrément éliminée, cette distance-là. Oui, c'est éliminé parce que c'est un rapprochement. Donc, nous sommes là pour faciliter la communication entre nos gouvernants et nous les jeunes. D'accord. Parce que si on peut dire, à partir de ce pays, il ne peut que se développer sans la jeunesse. Donc avec nous les jeunes, c'est à nous de porter ce combat. D'accord. C'est-à-dire que nous avons toujours constaté qu'il y a toujours énormément de dégâts que nous les jeunes nous commettons avec des marches très sanglantes, on me dit, on m'excuse, mais avec YouReport, on est pacifique. D'accord. Mais on lutte d'une autre manière. Et il y aura pas. C'est-à-dire vous préférez la force de l'argument qu'à l'argument de la force. Voilà. On peut dire. Et donc, même s'il y a un problème qui est lié à la jeunesse, donc ça pourra s'éradiquer avec YouReport. D'accord. Parce qu'on juste de poser une question. Et après de cette question, les jeunes vont donner leur avis. D'accord. Et après, on pourra faire la synthèse. D'accord. Mais Massaou, je pensais que ce besoin-là était résolu, solutionné par travers les réseaux sociaux qui sont vraiment très pris par les jeunes. Mais Younoussa, il faut... Quelle est la différence quelle est la différence? Vous, par exemple, on sait, nous tous les jeunes, nous sommes scotchés aux SMS. Oui. Mais les SMS, vous payez? Souvent 10 francs. On paye 10 francs. C'est franc. Avec YouReport, tu ne payes pas. D'accord, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu dis, tu réponds, tu échanges avec on peut dire avec la communauté. D'accord. Gratuitement. D'accord. Tu as un mot à dire gratuitement. Tu ne te déplaces pas pour payer le transport pour y arriver. Donc, juste avec un SMS, vous allez dire votre mot. D'accord. D'accord. Mais. Supposons, mais Younoussa, c'est un jeune. Et je vois, par exemple, l'actualité. On va prendre l'actualité. On a vu Jeune Afrique caricaturer l'un des guides religieux de ce pays. J'ai envie de dire quelque chose. Est-ce que YouReport me permettra un moyen de faire passer ce message-là? Parce que j'ai un cri de cœur, ça, je ne l'ai pas du tout apprécié. Mais est-ce que YouReport me permettra de lancer mon message? Ça, c'est une question. YouReport te permet même de lancer ton message, de dire sur ce thème. Mais par contre, actuellement, nous sommes dans la phase test. D'accord. Nous sommes dans la phase, au niveau du phase test. Donc actuellement, c'est avec Tigo seulement que YouReport fonctionne. Avec Tigo seulement. Seulement. Donc on est en train dans ce choix, dans la. Il y a d'autres opérateurs. En fait. Car le choix de Tigo. Ok, c'est que ils ont fait les démarches. En fait, c'est au niveau de l'UNICEF qu'ils font les démarches avec les opérateurs. En fait, c'est avec Tigo que les choses sont déjà établies. D'accord. Là, ils ont commencé. Nous-mêmes, nous sommes inscrits grâce à nos puces Tigo. Maintenant, avec Orange, c'est pour bientôt. Peut-être dans le mois de février, ça va commencer avec Orange. Mon ami, ce qui veut dire que si je n'ai pas de puces Tigo, je ne pourrais pas bénéficier des services de YouReport. Oui, on peut dire que vous ne pourrez pas bénéficier de ce service, mais c'est temporaire. Donc, vous allez nous rejoindre. Même on est présent sur Facebook. D'accord. Donc, déjà, J'ai vu un site internet. Tout à l'heure, ce que Madame disait tout à l'heure, j'ai vu une question qu'on avait posée aux jeunes. Automatiquement, quand je suis entré dans le site, j'ai vu qu'on m'a dit, c'était une question, est-ce que tant de pourcents d'enfants sont victimes de violence? Donc, c'est le thème de la semaine. Donc, D'accord. chaque semaine, les jeunes vont recevoir un message. D'accord.
Donc, même si vous ne voulez plus recevoir de messages, avec UiPod, il n'y a pas de problème. D'accord. Vous allez plus de recevoir de messages, d'accord, comme font les promotions de nos opérateurs. D'accord. Entre parenthèses. D'accord. Donc, avec UiPod aussi, par exemple, actuellement, nous avons l'obligation, nous, avons, nous devons atteindre les 10 000 UiPorteurs. D'accord. Donc, si on, nous atteignons ces 10 000 UiPorteurs, nous aurons notre. Avec la coordination régionale, mm-hmm, on pourra poser donc des questions locales, mm-hmm, qui concernent que la région de Saint-Louis. Précisément. Mm-hmm. Actuellement, il y a la commission exécutive, qui, donc le comité exécutif qui est à Dakar. Mm-hmm. Là, il y a déjà des jeunes qui sont. Mais mm-hmm, pour que Saint-Louis soit autonome avec le UiPorteur, mm-hmm, il faudra que nous serons 10 000 UiPorteurs. D'accord. D'ici août. Alors, on vous a fixé des objectifs. Mm-hmm. D'ici le 6 août, vous devez avoir 10 000 UiPorteurs. Saint-Louisien. Mm-hmm. Sinon, vous risquez de. Le projet n'existera plus à Saint-Louis. Si, ça existe. Ça continue. Mais en fait, il faut préciser quelque chose. Mm-hmm. Que le coordonnateur national de UiPod au Sénégal, d'abord, est Saint-Louisien. Mm-hmm. Donc, pour lui, peut-être, on ne va pas dire ça tôt, mais pour lui, d'abord, c'est la région de Saint-Louis qui compte en premier. D'accord. Donc, il y a les autres régions qui sont vraiment dans l'activité UiPod, où les UiPorteurs commencent à augmenter de jour en jour. D'accord. Donc, Saint-Louis ne doit pas être laissé en rade. Mm-hmm. Les Saint-Louisiens doivent tout faire pour avoir le nombre qu'on leur a demandé. D'accord. C'est-à-dire être 10 000 UiPorteurs Saint-Louisiens d'ici le mois d'août, mm-hmm, et ainsi pouvoir poser des questions qui concernent la région de Saint-Louis, exactement. Parce qu'il faut se dire, mm-hmm, la vérité aussi, à Saint-Louis, tout ne va pas peut-être. Mm-hmm. Il y a des choses dont les jeunes ont envie de parler, qu'ils ne peuvent pas le faire. Mm-hmm. Et on atteint les 10 000 en août. On commence à parler des problèmes qui concernent Saint-Louis en particulier. Faut aussi rappeler qu'avec UiPod, il peut arriver que certains plaidoiries soient imprimées, photocopiées, et amenées directement chez l'autorité tutelle. D'accord. L'autorité qui doit s'occuper de ce problème-là. D'accord. On lui donne ça et on dit que ça, c'est la voix des jeunes. C'est les jeunes qui donnent leur opinion. Donc, je ne crois pas qu'un pays puisse développer ou qu'une région puisse avancer sans que les jeunes donnent leur opinion par rapport aux problèmes qui sont posés dans ce pays. Je vais t'interpeller. En tant que chargé de la communication de UiPod Saint-Louis, vous avez des objectifs, c'est d'atteindre la barre des 10 000 UiPod Saint-Louisiens. Toi, avec ton équipe, en tant que chargé de communication, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que vous comptez faire pour atteindre ce nombre-là, ce nombre-là? Voilà, c'est une bonne question auquel je m'attendais en fait. Depuis le début, oui, c'est ça. Je viens de poser la bonne question. En fait, il y avait des bonnes questions, mais moi, c'était ma question, ça. Vas-y, en fait, on sait que dans la ville de Saint-Louis, il y a beaucoup de jeunes, mmh, machallah. Il y a les lycées où, d'abord, dans les lycées, on a dans les lycées genre 3000, plus de 3000 étudiants, 3000 élèves. D'accord. Donc, comme les lycées Charles de Gaulle, lycée Ahmed Fall, lycée technique, être en collaboration avec le gouvernement scolaire, mm-hmm, qui vont véhiculer le message au sein des lycées, mm-hmm, et ainsi nous ramener les élèves là-bas pour les inciter à s'inscrire. D'accord. Deuxième chose aussi, il y a les teams. Mm-hmm. Comme il est dit depuis quelques temps que Saint-Louis compte autant de teams que de partis politiques. Ouais. Donc, dans ma commission, il y a des gens qui sont déjà dans les teams. C'est avec ces gens. Quand tu parles de teams, ce sont les mouvements, associations des jeunes. D'accord. Et autres là. Mm-hmm. Voilà, avec les teams là, leur demander d'inciter leurs camarades qui sont dans les teams, puisqu'ils font des rencontres chaque samedi. D'accord. Les inciter aussi à s'inscrire sur le 21 décembre. Aussi, à part le gouvernement scolaire, les teams et autres. Il y a les clubs qui sont aussi à Saint-Louis, les clubs comme English Lovers, les Ndadi Tweet-Up et autres, aussi avec ces jeunes-là. Restés. Mais excuse-moi, Madeleine, l'obstacle, l'handicap que vous allez certainement vous affronter, c'est le fait qu'actuellement, il n'y a que Tigo qui est prêt à vous accompagner. Et pour cela, les jeunes qui n'ont pas encore le puce Tigo. En fait, ça sera difficile pour vous. Je crois pas trop parce que on est avec Tigo en ce moment. D'accord. Mais c'est temporaire. Tigo est là. C'est temporaire. C'est temporaire, Massao. C'est vrai que c'est temporaire. C'est temporaire jusqu'à quand? D'ici février. Février. D'accord. On sera avec Orange. On pourra activer
notre code court quoi. D'accord, donc, d'accord. Mais également avec l'autre opérateur qui reste, c'est-à-dire Tigo. Excusez-moi, Expresso. Pour Expresso. Parce qu'Expresso, actuellement, il y a des études éthiques. Hein. Donc avec UNICEF, ils jouent sur l'éthique. Hein. Ils jouent sur l'éthique. Donc c'est pas avec le groupe Sodatel. Donc ils doivent faire des enquêtes d'éthique donc sur Expresso pour pouvoir lui attribuer donc un contrat vis-à-vis donc de U-Report. D'accord. Moi la question, j'ai posé la question idéale à madame. J'espère que la question que tu vas te poser sera idéale pour toi Massaou. Quels sont les objectifs de U-Report Hassan, au-delà du fait que vous voulez avoir d'ici au mois d'août, je pense, c'est ça? Oui. 10 000 U-Report. Quels sont les objectifs que vous comptez atteindre à Saint-Louis? D'abord dans les objectifs. Avant tout d'abord donc il y a l'adjoint donc. Je veux le prendre en Wolof. Il sera beaucoup d'accord, plus. Il n'y a pas de souci. Donc pour les objectifs c'est d'atteindre les grandes lignes, c'est d'atteindre les 10 U-Reporters. Et d'autres objectifs c'est d'installer dans chaque quartier, dans les 33 quartiers qui sont à Saint-Louis, les clubs U-Reporters. D'accord. Installer dans tous les lycées. Donc aussi de la région, parce qu'actuellement nous n'avons plus toute la région de Saint-Louis. D'accord. Donc installer au niveau de Dagana, Richatol, Podor, ainsi de suite, les clubs U-Reporters. D'accord. Donc dans chaque localité, qu'ils soient autonomes, donc devenir la voix des jeunes. D'accord. Et donc nous espérons d'ici, non, nous croyons en fait, pas espérer, nous croyons avant août, nous obtiendrons les 10 000 U-Reporters de la région. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Madame et messieurs, si vous venez de me prendre encore, je vous rappelle que vous suivez Ndar FM Weekend. On a repris ce Ndar FM Weekend et que c'est ça, on va chercher des jeunes très ambitieux, des jeunes très innovatifs dans les idées qui veulent participer à leur manière au développement de leur pays, précisément de leur commune qui est Saint-Louis. Et je reçois aujourd'hui U-Report Saint-Louis et c'est une plateforme initiée par UNICEF et pour un peu tout petit peu offrir la possibilité aux jeunes de Saint-Louis, une possibilité de réagir par rapport aux questions d'actualité, par rapport aux questions de société, mais également par rapport aux questions de la ville, les problèmes de la commune de Saint-Louis. Mboki, bu fekke yeneng ñi togo baye xel len fatali yeneng ci 101.1 té ci émission biñu dupé Ndar FM Weekend té nak ma dalal ñi nga xamné ñoy war U-Report Saint-Louis di ap plateforme bo xamné ñu koy installer fep ci région yu nga xamné ñu nek ci Sénégal bu ndar ñu installer ko bu yagoud té nak ma dalal fi nga xamné ñoo sékk U-Report bobu ndar ñomit ci def ligé bu rafet ñom nak dama la fi dalal pour ñu mën ñoo wax lan moy U-Report porteur mandaral sama ndey jor ki nga xamne mom moy coordinateur di Massaouka sama tamagne di dal ki nga xamne mom moy Madagne Fall mom moy yor lepp lo xamne jëm ci communication nek ci U-Report Saint-Louis dal également ki xamne moy Djibi Sey mom je pense que mo nek adjoint bi mom lañ toftal ki ci ki nga xamne mom moy Massaouka di coordinateur mbokum assalamu alaykum wa rahmatullah bayil mbir mi way sa téléphone na solo dom ko bay waaw dama non ñu xolal chambara mbir yi waaw chambar ko lol way gis na ko de waaw xam nga boy liggé ci information ah boy wax nit ñi faaw nga wax leen lu leer ndax Sénégal tollu fof malako wax mën na wax ni fi ñu tollu ni nekkutun ci réew mom nga xamanteni bo yoré sa lettre da ngay joggé dëkk ngir ñu liral nak donc lepp luñ ci wax rek muy dafa war do muy lu leer kilifa gi xam nga daf ñuy jox message bu jangat nga ñu jox de jangat gi moy lepp lo xamne tay ji muy taskatu xibar ba muy ka nek ci leen nit sax ak lu mu tine boy wax leen lay wax ney leen waxtuma la ak yeen da ngeen fi taxawal lanuma ay jeune yu bari ño bolu seen ginaaw lepp lo ne wax da fay leer du rek ndar te bëgg na waaw du rek ndar te bëgg na bo ni fi joge rek ma ngeen jaar bañu jaaroon ca émission ba Younousa doon def jaar bañu jaaroon ca Ndar FM amna solo ma jox la cadeau nga nuyu wandar jox la cadeau également nga gindi wandar ci li nga xamne mom moy U-Report waaw tout d'abord ma ngi sante yalla di jël ci yent bi di gërëm sama ñaari wajib di sante sama cheikh mu rabbi cheikh ram ñass bu ma joggé ci lool nak ma ngi nuyu wandar gi yépp
te di len xamal ni len ñu ngi am mbekté di bokk ak ñom li ñu yag xaar ñu ñep di ay jeune ñu jox ñu ay cadeau ñu mëna wax suñu xalaat ndax dañ da faral di wax ni bu jëk xalé day top ci ginaaw mak way bax na itamit mag ni di deglu xalé yi ndax ñuy xam seen ay métite ndax bu féké xalé mëna japp ni malade la ci biir hôpital bu la waxul fuy metti do xam foy fajj mo waral ñu report wa UNICEF initié ke bu yagul mu am ci dekk yu bari ci aduna bi ndar nak dog ci jot ñu gis ni comme suma natangor ni ko xer ci kala may nasaran ñu bëggoon lu tollu ci fukki juni nit adéré wu ci lutax sel nañ ni suñu réew depuis 1960 bi ñu amé suñu indépendance batay li nga xamanteni mo ci dox dafa bëri wu yow am nga ci jangat saara gulle keneen am na ci jangat buñ ko waxe buñ ko waxul mo am ndax secteur yëpp la am na ñu ni waaw am na ñu ni deet ñu sel ñu itam bëri na lo xamanteni day jog am riir tok ba yaa ma baat li fi dox dal deug tan koy sellu moy sa bo yewu suba diga gis politiciens yi ci ala une des journaux waye rare na nga gis ñun amna jeune bo xamanteni ci Sénégal gi la juddoo mi ngi def lu reuy ci bitim rew ñu def ko ala une wala leneen ak leneen lool na duñ ko bëgg soppi sopp bi moy à travers une report jeune bu ne ci fa nga ne du à chaque fois nga am possibilité mëna dayante ak politicien wax ko sa xalaat ndax sa bo leen gisé rek ci élection la bu jéxé jéx wala bo soxla bo leen soxla audience yow yaay def sa événementiel wo leen ci ñu gis seen bop waye les questions sérieuses manam li nga xamanteni mo ñu ñor deug deug moy avancement wu réew mi rawati na nak suñu ndar gi nga xamanteni depuis ñu déplacer capital ba tay li fi dox newna té loolu bëgg nañ ko soppi ci suñu xalaat nekkul nak lo xamanteni ñëw pour opposer wu dédé yu reporter dafa ñëw pour indi xalaatam jeune yi def ci seen xalaat pour ko ñu mëna soppi lu bëré bëré tanke def ni waat da ñëwoon ni waat da ñëwé ñëw bëgg diir mbag ak xamné mom moy les opposition ni deful partie d'opposition partie de contribution les def waaw ñun contribution dé ñun du waat dé contribution la ñu dé dama jël misal rek waaw dé dama jël misal rek dama jël misal rek naam contribution ngeen di def comme niñ ko waxé waye li ci gëna upp solo moy da ngeen jël seen xel seen xalaat parce que ñi né cheikh yu reporter ki mu ci xam ñi mo ci mu ci xam ak ñeena gën yow mi da nga xarañ ci li ngay def ki it naka nonu xarañ ci baax ni ak ñeena ñeen ño xamé ñew ci studio bi té ngeen di yëkëti seen ay cadeau ci seen tour japp na ay xalé yu xarañ ño ci nek di ngeen jël ay xalaat di ci duggal naka ngeen di def naka ngeen bëgg jëflante ak ñoñu nga xamné ño jité ndar gi tay est ce da ngeen di yam ci seen téléphone di envoyer seen SMS ci 21200 wala am nga yeneen jéego yo xamné bëgg ngeen ko def bu ko défé li ngeen mbébet li yu reporter mbébet mo mëna soté ak jam xam nga lepp lo gis ci aduna rek dafa tambalé ci batine lu mu xalaat la wax ko jëfé ko mu doga nek alcorane limi yaatu wala bible limi yaatu wala tawrat limi yaatu wax rek la ñu jangat ko xol xam ni li deug la ñu jëfé ko mu rafetal lu bari defal lu bari tay bu ñu xép cadeau am solo nga xet kaddu yoy nga xamanteni ñun mom lañuy jindi moy dañ nan ka tayji rond point bi nek bërepp sangam limuy causer ci accident buñ ko défé won ni ki ni dédét buñ ko défé won né ñu xol ki nga xamanteni moy ka yor lool dañ a ñaari xalaat yi dina jël li baye li jël bé wañ li yok li dara bax bu delu sé ña waxul mu leen ah man de bëgg na def li ñu ko wax li bax na wala li bon ndax waxtaan dafa am solo té itamit day tax lu bëré mëna soppé donc ñun yamuñu rek ci ay cadeau
kaddu yoy ñi génné dañu bëgg ñukoy jëfé moy kenn ku ci nek tay ji sar yow ci Europe tu es très jeune man dañ jëngël mo doono dem na Yunusa ñu ñu santalé ma sar dem na Yunusa ñu santalé ma sar Yunusa la tuddu sante gey gey ñoro ah gey ñoro bass kon nak gey ñoro bass en tant que jeune ma sha Allah rabbi nga xarit lool ci li ngay def xam baax nak nga duggo sa xalat yow nga inscrit tu Europe ngani journalisme tay ji ñu waxante deug rek tay yalla tax lu way neex wax damu yex yi baran yow ku deg ni ngay lak xamni deug deug li ngay lak maîtriser ak jang ak xam nga mais amna ci ño xam bo lay diré joy mo lay déssé wala nga bëgg xam te pourtant tolu ñu fofu wa tay ji yow bo duggé ci Europe ki yor walu communication ngani ko nanu defé ni ak ni ak ni ak ni mom bu xolé xamni deug 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 Youssou Sa mi lim wax deugal jëfé lolu kenen non mécanicien bi nga xamanteni mo nek fé momit nek jeune dem ba gis ni warna yor atelier bopam way amul moyen mu gis ministre ba nga xam mom nga ci xam ah man de bëgg na atelier waye bëgguma ko ci boru teli bi bëgguma ko ci al deku jamm bëgguma ko ci koñu jamm fi la ko bëgg ak fi wa boba dana defal dekk bi ñun ci loolu lañuy dox ci loolu ngeen dox d'accord mbokk yi bu fekkee fatali leen rek ne yeen ngi déglu li ngeen xam ne moom mooy Ndar FM bi ken que tey ma dalal ñi nga xam ne ñooy ay xelel yor li nga xam ne mooy You Reporter di fatali ni benn programme UNICEF la waaye UNICEF du def lu dul ñëw am indi xam-xamam indi xalaatam teg li ci des yéen a koy matali te su ma leen déggee ngeen wax nekk ngeen ñoo xam ne am nañ jom am fulla am fayda te gëm bu baax ne di ngeen def ngeen nekk ci lu am solo kilifa gi maa tayoon jox kaddu gi ki nga xam ne moom mooy sama grand Djibi boo koy déglu day sedd lool ñi ni nga xam dañuy dañuy bàyyi xel li nga xam ne mooy sans point mën a xam lan mooy mbébétu li nga xam ne mooy You Reporter yow en tant que coordinateur dama lay bàyyi nga ñëw askan bi ci kala may koc na am nangu naa ni da nga mel ni man tubaab bu ñuul nga waaye liggéey bay demee noonu boo bëggee waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy ay déglukat te léeg-léeg yu sopp dañoo mel ni man dégguñu Kalamay Nasraan baax na jekk loolu nga wax ak ñoom ci Kalamay Kodj wax ñu yow en tant que coordinateur lan ngeen mébét ci fan yi néew ak li nga xam ne moom mooy You Reporter. Ginnaaw bi ma nuyoo dama naataa ngi fi toog donc di la nuyu aussi Yunusa di nuyu auditeur Ndar FM di wax ci You Report ñun bébét bi nu am mooy ñu mën a am 10,000 jeunes avant août yoo xam ne mën nañ toog di porter seen kaddu di wax maanaam jafe-jafe yi ñuy dund wala telle question wala telle situation comme ni ko Djibi waxee léegi parce que You Report daf fee ñëw jagale jeune bi ak njiit yi ndax moom daf ñuy jegale maanaam bu njëkk amoon na pour nga gis njiit gi wala nangam dina doon na lu doon jafe wala bu ñëwee day fekk ni xuma mbaay moo am mais tey ak You Report dina ma tax ma mën a wax njiit gi lii laa bëgg kii ni ko lii laa bëgg moom mu xool li ci mën mu mën cee jàpp wante du question du yemuñu ci 10,000 yooyu noonu waxuñu ko ni mais 10,000 dafa am lu mu concerné mooy région de Saint Louis ñun yan bi ñu yan mooy région de Saint Louis donc Dagana bokk na ci Podor bokk na ci mais wante ndar gi ñu nekk ni war nañ ko installé ci gox bu ne mu am You Report am donc am ñoom ñii dem seen ak seen fonctionnement ak seen programme ak li te aussi You Report existe na aussi te waxuñu woon mooy si 19 pays donc dèjà mi ngi existe 19 pays ci plateforme boobu woon et aussi comme ni nga ko waxee ci français tout à l'heure yaa ngi laajtee ni question de Orange bi wala li mais di leen ci yegg si ci loolu mais objectif bi nu am actuellement mooy ñu mën a atteindre sunu 10,000 yi maanaam 10,000 jeunes ñuy mën a wax ñu leen di dégg
nek lu am solo mbokk diñ fatali bu fekké am ngeen ben laaj bo len laaj len ben leral wala ngeen bëgg rafetlu yene bi ak xalaat bi xalé yi am mën ngeen ñu wo ci 33 961 30. C'est vrai que ils sont venus très dañu yéré ñew liñu déssé ci waxtu bëretul parce que dañu wara dalalat benen artiste ki nga xamné moy Rio Gun bu ko défé ñu mëna mais mën ngeen ñu wo ci 33 961 30 30. Amna ku nekk ci ligne bi. Salam aleykoum rahmatoullah. Aleykoum salam. Allo Younes. Oui. Ça va, nga def? Sant Diallo, baax baax. Yalla yag, ma ngi ci jamm. Ñu ci jamm, baax baax soxna ci. Aha, donc c'était juste pour encourager Massaw. D'accord. Et féliciter la nouvelle équipe qui est en place. Aha. Donc juste aussi dire un mot que on est jeune. Que jeune vous nekk da nga avoir am capacité de développer ça. C'est par rapport à tes besoins. Donc dañu toll ci état bo xamni waratuñu nang les gouvernements les politiciens ñu jël les décisions à notre place. Donc cela veut dire que qu'on a notre mot à dire. D'accord. Mais que qu'on essaye d'être aussi une jeunesse exemplaire. Responsable et engagé dans nos convictions. D'accord, je reconnais la voix. Mais Mouna, bu féké su féké amone nga am nga ben xalaat ben mbir bo bëgg dénk ñi nga xamné ñoy ñoy jité li nga xamné mom mayu report sans lui lan lay doon mais Mouna? Wa xana di len ñaaxal ñu gën gor gor. Am nga bo nekké njin mom ci lo mu tu nekk da nga wa donné le bon exemple. Donc toujours ñuy woné le bon exemple ñu nekk ay leader. Cela veut dire que le leader c'est quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui donne les ordres mais c'est quelqu'un qui donne les exemples. D'accord. À chaque fois lu ñuy wota ñu fexé bo ñom ñu jitt aussi. Donc je pense que c'est important. Deuxième chose moi surtout ñu renforcer la sensibilisation et la communication. Surtout ça. Ndax am na ño xamni peut-être que jangunu bëgg nañu nekk des reporters mais xamuñu ñuy def. Donc c'est important ñu xalat couche bobu aussi ñu bayu da xel jël leen en charge aussi si c'est le programme. Mais mono tante ngeulum ñala la. Merci Younoussa et bonne journée. Ay ci bonne journée à toi dile. Félicitations encore à Massaw. Merci beaucoup. Jerejeuf Maymouna mom it liguey bam solo. Wa ko jerejeufal mom it jeune le donc mais bu dynamique moy machallah donc en tout cas man mom suma don jere référence mo na jël ci mom référence wa inchallah ay te di wax ni yeen itam ngeen def ni may woon 33 960 30 30 gaay len di ci waxtu bareul mais bu fekke digeen bëgg rafetlu bëgg am len lo xamne laccel la ci yu report lan mako taxa jog ak boonti bëgge bok no len def ma ngeen ci wo ñom ma saw ci 33 960 30 30 le temps ko ñu nekk ci studio bi wax ma ñu genn ci studio bi ñu wodé 960 30 30 pour laccay xibaar parce que doon dublu ko mëna wax bëgge ñu ci studio mu ngeen ñoo su ko defé ñu indi leen ay leral ci lepp bepp laaj mo xamné soxol na li nga xamné mom la mayu reporter soxna ci yow ya yor lepp lo xamné dem na ci walum communication ci li nga xamné mayu reporter sans lui manké wax légui laaj bi mu laaj sank ci nasaran mom la lay laajat yor nga lu am solo parce que yu reporter liko teunk moy communication yow nga ñu jël jox la chargé la communication lan nga xalaat ni boko defé yaa ñi nga xamné yena cheikh li nga xamné moy yu reporter su ko defé sen objectif ngeen mën ko atteindre mëna permettre également xalé yi ñu dugg ci nek ay yu reporter ba paré mbébét bi yu reporter am mom ñu mën ko atteindre té du mu gëna rafété. OK d'abord ñu nuyu population sans le vieux. Comme nous avons dit qu'on est en France, c'est ce qu'on a dit. Comme ça, nous avons un objectif. Parce que mieux que c'est l'objectif qui nous a avancé. D'abord. Comme ça, fixer nous comme objectif d'atteindre nous avons 10 000 reporters sans le vieux d'ici vers août. Nous avons fait la procédure pour faire ça. Ak lycée ak école yi collège et autres. Comme ça sans lui alhamdoulillah école bu nek am nañ fa ben gouvernement scolaire moy représentant ou élève yi ñom dañuy faral di organiser yeen événements yi comme ay ouverture foyer ay yeneen événements yu mel non ñu jema nek en collaboration ak gouvernement scolaire yi ñom à leur niveau dinañ ñu mëna jappalé pour ñu véhiculer message ci biir école yi ci biir lycée yi collège et autres. D'accord. Pour que élèves yi mëna xam la moy report mën ci adhérer aussi participer ci affaire bi. Benen chose aussi moy avec team yi
timi moy ay association la yu jeune yi def yu jeune yi formé di regrouper samedi di organiser ay événements ñom tamit mais c'est hors scolaire ñoñ aussi ñu jëm leena contacter nek en parfaite collaboration en étroite collaboration ak ñom ñu mëna ñu jappalé ci liguey bi aussi ñi nga xamné janguñu néwu ñékol ba bokkon ci timi ay ay apprenti lañ ay ay menuisier lañ ay mécanicien lañ naka ngeen def pour mëna jégué xal yoy leen ñoñ tamit faté wuñ leen li gëna facile yaakaarna moy ñu dem jogé leen expliquer leen affaire yi teggé deugantan jaay expliquer leen nak moy report expliquer leen nim fa démé après ñom ñu mënte mëna bok jëgëf deug naal yaag nak deugantan jaay kilifa gi deugantan jaay lan nga bëgg denk ñi nga xamné moy ñi déglu jamono ji na FM duma laaj sa cadre gu mujju sañumako gone gu ndaw nga am nga lu bari lo xamne beug nga ko denk te ma ngi lay ñaanal ci li nga sumbu suñu borom yegali ko jam waye lan nga rek nga wo meuna ñaax xalé yépp waye it mag ñépp nga xam ñuy deglu jamono ci ndax FM waaw tout d'abord moy opérateur yépp nañ ci japp muy Tigo muy Orange muy Expresso ak peut-être buy ñew ñet ñëpp japp parce que lu réew mi soxla la jam nañ dafa bax ñu xam encore une fois de plus mbébitu xalé yi dafa bax ñu xam ko donc ben instant buñ fi tok sax di xaar bon UNICEF adhéré na ou je ne sais pas quoi ndax lu bax yaakaarna soxla wul kenn di ci xaar kenn li UNICEF indi man pour ma fa warona jitu lol ndax bo xolé pourcentage du Sénégal jeune yi ci ëpp mën nañu wax lol donc bu jeune yi taxawé xam nek ci lu melni ñëpp dañ ci wara japp parce que li gaay di faral di wax feccum lir bu nexé ndey ja japp ci mbagam benen bi dess duma ni peut-être objectif yi nga xamanteni mom la gaay wax ni mois de fil ak mois de bëgg nañu atteindre 10000 adhérents mën nako ëpp sax mën nako ëpp parce que li gaay di faral di wax dañ toll ci jamono jo xamanteni kenn ku ci nek am nga lu la met sa bir xol mo xam da nga nek ko xamanteni da nga nek ci keur lu la fay maltraité ta mo foko waxe wala gis nga lu la met ci koñ bi ta mo foko joye wala gis nga lo xamanteni met na ci rew mi tax mo foko waxe donc lolu mo tax yu report am budé it gis nga lu bax ci rew mi da nga gis ni war nañu yok lu bax lolu tamit nga wax sa xalaat sa di yuru porte lolu moko taxa djub lenen tax ko djub ñun ñi ci nek wala ay volontaire la dañu gis ni dafa bax duñu ay peut-être amna président amna présidente communication amna présidente commission tel mais tout simplement rek lepp lo gis lu ne faaw mu am bop lenen luy top ci ginaam ñun ay coordinateur rek lañu te bu doon suñu sago kenn ku nek bo déggé kaddu gi nga jotali ka sa morom nga niko amna ben mbir mo xamanteni suñu yeuf la donte UNICEF moko santi baye suñu yeuf la yu reporter kenn ku ci nek sa yu reporter bop nga kenn ku ci nek sa pesum bop ya kay fayul sa bop donc ci lool lay ñax nit ñi ñu adhéré wu au 21 200 bu laajé sax yaakaarna puis Tigo lu mu cherchéer dépassé wul 2000 francs ñu wuti ko def ko ci suñu portable de temps à autre ñu dugg di wéccante xalaat ñun jeune bu ñu paré jël loolu jébal ka ñi nga xamanteni ñoy kilifa yi ñu xol lañ cey def maa ngi remercier encore aussi yow mi Guendioro Bassi ñu invité may ñu ko aussi plateforme bu toll ni ñu mën cee wax suñu xalaat parce que loolu tamit c'est à saluer té ligay bi ngay def jappal ni ndar yépp bayna ci xel dañ lay déglu bu baaxa baax ya xamna li nga bëgg ci sa métier bi yalla la ko yalla yéggal amin mais ñun suñu xol sét na trop dëgg neex yalla suñu xol sét na trop jëf def mari sama xol sét na lool xam nga li ñu waxoon sank né bëgg ngeen communiquer bëgg ngeen bëgg nit ñi xam xalé yi xam lan moy yu report findel bi ma ci joxé rek té souvent man nou lay joxé moy que je pense que dem banal la law 22h passé wax le parce que man souvent je suis tellement scotché à l'internet damay xol lo xamné xam xam le lo xamné am na ndëriñ ma fexé nan la ko mëna amé
bima ko waxe même à la seconde que je suis la mané amul ben problème dem ci goudi ak yenn lumu am ngeen ay soxla ngeen bay soxla yep ñew wuy wote bi man sam bop may wote donc man sam bop may rafet lu li ngeen xamne mo ngeen def di len ñaanal li ngeen xamne su mo ngeen ko ngeen ëpp sax ay objectif yu reporté sans yu nekk ci dëkk bi yep lolu la len di ñaanal kilifa gi mo jox lo kaddu go mujj gi parce que en fait donc kaddu go mujj gi ci jotaay gi yewit laaj mu la sa kaddu go mujj Je suis un peu plus de temps. Limay wax moy nekkal Europot ci ay seconde moy envoyer 21-200 da ngay def Sénégal en majuscule nga envoyer ko ci 21-200 déjà tu es Europot bala ñu lay jégué lool doon na tax nga nekk ci nekk nga Europot donc Sénégal en majuscule 21-200 wante dina ci doli ci deg ci bandan di mu wax bala may tej moy dina djegge gox bu ne même yenen département dina djegge gox bu ne manam duñ bëgg gox bu ne mu am uniport donc di yow mécanicien bi wala ku jangul wala ku liw ku ne dina mëna bokku ci don uniport parce que ku ne amna lu mu bëgg wax ku ne am nga téléphone internet jëfena mais message gratuit yomuna donc man limay wax jeune ni waxal ñu dégg la 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 metti waxal ñu dégg la 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 neex aussi wax ko ñu dégg la mais yuri bot mi ngi fi pour sen ay soxla ñun dañuy jaamu sen soxla manam donc ñun ñogi ni pour faciliter la tâche pour ñu mëna wax digënté jeune bi ak tutelle bi parce que ëllëgu réew mi ñun la suñu bëggé réew mi dem manam ñu joggé ci jamono 1960 pour dem ci bénn stade il faut que ñu mëna jël compte xalaatu jeune bi té donc Europorter mi comme niko djibi waxé djégal nañu ñi ñu jité donc nañ ci jëriñu rek lañ ci jëriñu rek def na kaddu gogou kaddu go am solo ci kaddu gogou lay sax lañuy dajé jotay bi di leen sant de gërëm d'abord ci nangul bi nangul invitation bi mom la waxon légui ji bi diko wax également ma dañ fal diko wax ki nga xamne moy Massawuka mom mo nek coordinateur yu report sans lui di leen jajeufal également di ñu wax ni ngeen dess touti bu ko defé ñu dal ak nga xamne moy Rio Gun mom artiste la mais en tout cas lima waxon légui je souhaite beaucoup de bien mais dañ firndeli je parle di hors studio dañ firndeli sa yo len soxla communication bepp programme bo len teural bo len xalatene ndar fm mën na ci japp waxuma yunus sa parce que yunus sa do ndar fm moy liguey bi ndar fm mën na ci japp dañ ci def suñu kemp lay katan bu ko defé nit ñi xam askan ndar xam lan mo taxajuk yu report len santene gërem den wax ni à tout à l'heure je suis très content